Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous apprendre comment démonter sa carte graphique et comment en changer. Alors tout d'abord il faudra le PC qui est là, voilà, un tournevis cruciforme, normal, hein, pas trop gros ni trop petit, hein, normal. Bien sûr la nouvelle carte graphique, et c'est tout. Alors on va commencer. Tout d'abord, on va déboîter la façade, voilà, c'est tout simple. Après, on voit la carte graphique qui est ici, en rouge. On ne va pas pouvoir la déboîter tout de suite. Il va d'abord falloir enlever ce truc-là, là, sur qui est vissé au PC, pour pouvoir la déboîter. Alors, pour pouvoir l'enlever, on va d'abord tourner l'ordinateur et à cet endroit-là, et là, normalement, vous avez deux vis. Vous prenez le tournevis et vous les dévissez. Voilà. Moi, j'ai qu'une vis, hein, j'en ai qu'une au-dessus parce que j'avais enlevé l'autre pour que ce soit plus simple à chaque fois que je change de carte graphique. Mais il y aura la deuxième à enlever là et à revisser après. Alors, on va pouvoir donc débrancher la carte là. Là. Doucement, voilà. Et je précise, la mienne, elle est branchée en PCIe X16 ou PCIe2, je sais plus. Et bien sûr, il faudrait que votre nouvelle carte graphique, ce soit les mêmes branchements, là, les mêmes petites broches. Que ce soit en X32 ou X16, ça je crois qu'il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit de la PCI, si c'est de la PCI avant. Voilà, alors ça, c'est ma nouvelle carte. Et je vais la brancher, après, dans le même sens, hein, comme ça. Voilà, je fais coulisser, et là, j'enfonce, je clipse. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie, parce que là, pour revisser ça, généralement, j'ai un petit peu de mal. Hein, je ne suis pas douée hein, pour revisser les trucs. Voilà, je reviens. Alors, voilà, là, j'ai réussi à, heureusement, remettre la petite vis, là, au bout d'un moment. Et on revisse, donc. Voilà. Hop. Voilà, et vous aurez à faire avec la deuxième vis en bas là, ici. Et voilà, là votre nouvelle carte graphique tient bien, normalement il n'y a pas de problème. Voilà, je vais juste recaler un peu l'ordi. Voilà, et tient bien votre carte, normalement il y a les petits clapets là qui doivent être clipsés, mais bon, ça je pense que ça n'a pas d'importance. On peut remettre. Alors, on peut remettre la façade. Et vous pouvez, après, brancher. Vous pourrez brancher vos câbles jusqu'à votre ordinateur, votre télé, enfin peu importe votre écran. Voilà, alors merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.